Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour avec Boss qui est niveau 8, ça fait toujours plaisir, un petit Boss niveau 8. Allez, bonne chance mon petit gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du Valky Cochon. On va envoyer du Valky Cochon, oui c'est moi qui vous le dis. Et on va envoyer du feu à Gobelin parce que nous on est des tarés nous. Oh là, regardez-moi ça, en plus il a mal tiré sa boule de feu. On se fait vraiment plaisir les gars, ça fait plaisir. Non mais franchement, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Dès le début, on se fait du taf. Bon, j'aurais espéré un petit peu plus. Mais vu qu'il avait tiré des archers, je trouve ça un peu normal. Et en plus, il a tiré une boule de feu. Vous imaginez à quel point je lui ai fait utiliser beaucoup d'élixir. Et ça, c'est de l'avantage pour moi. Parce que du coup, j'ai plus d'élixir que lui. Et ça fait plaisir. Voilà donc, enfin, plus que lui, pas forcément. Mais oh, lui il est bien lui, t'as eu, il l'a mis sur le côté lui. Au moins je peux défendre, tu vois. Je peux mettre une troupe pour défendre et tout ça. Ça c'est bien ça, continue comme ça mon gars. T'es sur la bonne route, ça c'est bien. Toi mon gars, je vais pas te faire de crasse. Je vais pas envoyer du cochon pour finir la tour. Pas de soucis pour ça. Ça c'est un mec bien tu vois. Donc j'espère qu'il va pas envoyer de boule de feu pour finir les tours ou quoi que ce soit. Parce que ça a l'air d'être un mec bien. Et ça, ça fait plaisir. C'est pas tout le temps qu'on rencontre des mecs bien. Et quand on rencontre des mecs bien, il faut faire en sorte qu'ils se sentent bien tu vois. Qu'ils se disent, oh putain ouais, bon lui c'est un ami tu vois maintenant tu vois. Et ouais, non il faut tu vois, il faut... les dorloter, voilà, il faut les dorloter, tu vois. Il faut être là, il faut être sympa avec eux, tu vois. Faut pas commencer à envoyer du cochon pour finir les tours, tu vois. C'est mort. Et encore moins des flèches d'ailleurs. Par contre, oui, c'est vrai que là, je suis en train de le victimiser là. Ça fait un peu mal, à mon avis. Enfin, après, je dis ça comme ça, après, je sais pas. Hein, je... bon, après, j'y connais rien, mais ça a l'air de faire mal. Enfin, bon, passons le délire là. Putain, je te jure, des fois, je dis de la merde, mais c'est un truc de fou. T'as vu? Mais il est trop bien ce mec! Mais il est trop bien ce mec. Oh là là, mais ce mec il est génial. Mais continue comme ça mon gars, t'as un avenir mon gars. T'as un avenir. Oh, ce mec est génial. Putain, ce mec est... Ce mec est plein de ressources mon gars. Mais il est trop sympa ce mec. Bah voilà, ça j'adore, tu vois, combattre des gens comme ça. Voilà, c'est des gens, tu vois, ils méritent de jouer à ce jeu, tu vois. Ils sont là, ils sont méritants les mecs, tu vois. Putain, je te jure. C'est pas comme ces mecs là qui envoient des boules de feu pour finir tes tours et tout. Tiens là, là. Je te jure ça là. Regarde, il tire bien d'un côté le monsieur. Bah voilà. Et voilà, c'est ça que je veux moi. Ah, oh, je te jure hein. Bon, j'avais dit pas de cochon pour finir les tours. Donc du coup, je lui mettrai pas de petit cochon. On va mettre ça là. On va mettre des flèches. Voilà, tranquillou. On met une petite flèche. Hop là, Philippe est là. Ah bah là mon gars t'es mort. Ouh là mon gars t'es mort. Et bah franchement mon gars, super combat de ouf. J'ai même envie de dire que t'as trop bien joué. Mais bon je vais pas faire ça. Et puis bonne chance pour la suite mon petit gars. Tu mérites de gagner. Tu vois, non, ça fait plaisir tu vois. Oh là 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 là, je te jure, c'est pas souvent qu'on rencontre des gars comme ça. Mais quand tu rencontres des gars comme ça, t'as envie de leur serrer la main. T'as envie de dire putain toi t'as un bon. Ah là là, je te veux dans mon équipe. Ah, ça fait plaisir, tu vois. Là, ça me donne envie de jouer, tu vois. Quand je rencontre des gens comme ça, je me dis, putain, mais je prends plaisir à jouer, tu vois. Je suis avec des gens, tu vois, qui ont un minimum de respect pour moi, tu vois. Tu vois, c'est pas, ils vont envoyer des boules de feu pour finir tes tours. Ils vont pas, tu vois, ils vont pas faire des trucs comme ça, tu vois. C'est pas, ils vont mettre les gobelins pile sur la tour. Non, ils le mettent à côté pour que tu aies un minimum de défense, tu vois. Pour que tu puisses défendre un minimum. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et franchement... Moi, c'est comme ça que je veux que les gens y jouent, tu vois. Parce que c'est la meilleure façon de jouer. Mais bon, les gens, ils veulent pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner, tu vois. Enfin bon, c'est pas très grave. Et franchement, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Ça fait, enfin, franchement, ça fait plaisir. C'est rare. Et franchement, bah, je te dis, quand tu rencontres quelqu'un comme ça, t'as intérêt à bien le dorloter. Parce que c'est rare, quoi. Il faudrait pas le dégoûter du jeu, tu vois. Franchement, ça fait plaisir. Donc, du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous dire. Une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc c'était une petite attaque du jour. Franchement, ça... oh là là. Moi j'ai envie de mettre en titre, ce mec a de l'avenir. Ah ouais, j'ai envie de mettre ça en titre. Ah bah j'ai envie, voilà. Donc maintenant vous savez pourquoi je mets ça en titre. Parce que ce mec, il est génial ce mec. Voilà, hein, bon, enfin bon. Donc du coup, moi je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.